Good morning, allez, Iden, les Sussra, aujourd'hui, l'Ir, Fouatra, Irka, Batla, Sarah, Bat, Nechama, et Hanali, Abad, Gitel, Dvora, et Yosef, Ben, Rachel, Betor, Shach, Olé, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude, Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous y faisons, Masachem, Psachim. Perikvav, Mishnah, Delet, Hagiga, Haïta, Ba'a, Mina Tzono, Mina Bakar, Mina Kvasim, ou Mina Izim, Mina Zecharim, ou Mina Nekevot, ou Mina Echalet, Lishne Yamim, Velaïla, Echad. Mishnah, très simple. On est en rapport avec ce qu'on a évoqué dans la mission précédente, l'histoire de la Chagigat Yuddalet. Le Korban Chagiga, c'est un Korban Shlamim, en fait, qui a une obligation d'apporter pendant les fêtes. Et là, il y a une particularité, est-ce qu'on apportera ce Korban depuis l'après-midi du 14, comme on avait appris dans la mission précédente. Qu'est-ce qu'on n'aura pas assez de viande dans le Korban Pessah pour toute la famille? On est une énorme famille de 30 personnes à ce soir, manger ensemble. Il n'y aura pas assez de viande pour tout le monde. Il y aura un petit kazaït, mais on a envie d'avoir plus de viande. On pourra apporter un Korban Shalmé Chagiga durant l'après-midi du 14. Après qu'on ait fait le Korban Tamid de Ben Arbaïm, c'est le même. D'accord? Durant cet après-midi, au lieu d'apporter un seul animal au Batamigdash, on pourra en apporter deux. Et on pourra en apporter deux. Et la Mishnah me dit, tu sais, puisque c'est un Korban Shlamim, alors tu n'es pas limité par la même espèce que le Korban Pessar. Le Korban Pessar, il faut nécessairement apporter Seksavim ou Seizim. Un petit mouton, une petite chèvre. Un petit agneau ou une petite un petit chevreau, je crois que c'est dit comme ça, qui est pas mâle, pas femelle, et qui est à un durant dans sa première année, qui n'a pas passé un an. D'accord, on est très limité pour le Korban Pessah, il faut que ce soit un petit agneau tout frais. Et par contre, le Korban Chagiga que tu apportes, alors lui, t'as un éventail beaucoup plus large, parce que c'est un Korban Shlamim. Le shlamim, tu peux apporter mâle, femelle, tu peux apporter des agneaux, tu peux apporter même des bovins et des ovins, tout ce que tu veux, ce que le Mishnah m'enseigne. Chagiga et taba minatson, la korban chagiga, on a apporté minatson, du menu bétail, des ovins, ou minabakar, même du gros bétail, les bovins, minakvasim ou minaizim, et tu peux apporter ce que tu veux depuis les keves, les moutons ou les chèvres, la famille des moutons des chèvres, minazharim ou minanekevot, des mâles comme des femelles, tu n'es pas limité comme le Korban Pessah, et même mieux que ça, venechelet lishne yamim velaila echad, elle sera consommée en deux jours et une nuit. À la différence du Korban Pessah, où Korban Pessah, tu n'as pas le droit de le manger dans l'après-midi du 14, tu dois attendre la tombée de la nuit, qu'il fasse nuit, tu le manges durant cette nuit-là et t'en laisses pas pour le lendemain. Même mieux que ça, il y a des avis qui interdisent de manger depuis après Chazot. Et donc tu es limité pendant la nuit elle-même, à la différence du Korban Shalmei Chagiga, où tu peux le manger, alors tel que c'est écrit, deux jours, j'ai un petit doute, je vous dirai après c'est quoi mon petit doute que j'ai, quoi. Mais tu peux le manger pendant deux jours et une nuit, ça veut dire tu peux le manger pendant toute la nuit, et même le lendemain durant toute la journée. Maintenant, d'accord, comme n'importe quel shlamim, à part le Korban Toda, c'est un shlamim particulier, n'importe quel shlamim, il est consommé durant deux jours et une nuit. Donc là aussi, tu as deux jours et une nuit. Maintenant, là, j'ai eu un petit doute, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on a le droit de le manger durant l'après-midi du 14 lui-même? Apparemment, oui, quoi. Comme ça sort, comme ça, c'est même le... Non, j'ai lu dans le Melechet Shlomo, pendant qu'il parle, ça a l'air d'être une évidence que même pendant l'après-midi du 14, on a le droit de le consommer. Même si c'est pas encore Pessah, parce qu'en fait, c'est juste un korban de shlamim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.